en direct de Saint-Georges. C'est remporté par Breton, qui remet à Chamberlain, remet à Villemaire, qui laisse à Ward. Ward, fin, tir, arrêt de Girard, et il n'y aura pas de retour. Remet jusqu'à Blier, c'est un peu trop loin. Paiement va arriver le premier sur cette rondelle, frappé par Poulin, bien joué là-dessus. Là. Remet à Chamberlain, Chamberlain passe pour Maheu, attention, Maheu ne peut contrôler 10, tir, arrêt, retour, quel arrêt de la casse là-dessus. Quelle chance ratée pour Archambault. Villemaire va être le premier arrivé sur cette rondelle. Alors, il n'y aura pas de dégagement refusé. Caron met en échec Villemaire qui reprend 10 quand même. Travaille bien, tire. Et le but! Maxime Villemaire, quel but! Il n'y avait pas beaucoup d'angle là-dessus. Laisse pour Tifu. Tifu revient sur lui-même. Passe à Veilleux. Veilleux. Mais beau jeu là, de Charbonneau. Dallaire qui tire. Ça rate la cible. Tifu à Cloutier. Tire. Ça touche le... Et le but! Kevin Cloutier! Waouh, ça touchait le poteau. Je croyais que ça avait sorti. Et Cool FM qui réplique par... Alors que Breton fait face à Tourigny. C'est remporté par Breton. Tire de Maheu. Arrêt de la casse à Maheu. Maheu qui va lober à Véret. Qui va partir à l'attaque. Remet d'Amour au cercle gauche. Tire. Arrêt de la casse. Retour. Et le but. Anthony Véret qui marque. La casse qui n'a pas contrôlé son retour. Ici, Tourigny. Frappé par William Breton. Contrôler cette rondelle. Pépin frappé par Breton. Un vrai train. On joue à 5 contre 5. Poulin. Poulin. Tire passe pour meilleur tir. Arrêt de Girard qui va stopper la rondelle. Chabot va sortir de là avec la rondelle. Chabot au cercle. Tire. Arrêt de Girard qui ne donnera pas de retour encore une fois. Travaille encore. Cherche des options. Fin seul. Tente une passe pour Caron. Caron tire. Ça rate la cible. Retour. Arrêt. Retour encore pour Breton. Quelle chance ratée là. Ward tire. Ça a été bloqué. Retour. Bel arrêt de Girard là-dessus. Chabot a début de dispute devant le filet avec Dufresne et Chabot. D'Amour qui remet à Véret, Véret, remet à Breton, Breton, fin, tire, Véret le tire, oh quel arrêt de la casse! Encore une fois, le mêlé devant, on n'a pas été capable de mettre une rondelle au filet. Décampé va remettre Archambault, Archambault cherche des options, tire dans le chest de la casse qui va garder cette rondelle. Il n'y aura pas de retour avec 19-22 à faire. Et là, William Breton est allé jaser avec Bussière. Territoire du Cool FM, Caron va reprendre, Caron renvoie à D'Amour. Nadeau s'amène. Nadeau, un contre un, tir, arrêt, retour. Et la casse fait l'arrêt, retour aussi. Breton qui ne réussit pas à mettre dedans. Et le but! Mathieu Nadeau qui va pousser une rondelle dans le fond du filet. Et on va y aller. On enlève les gants. Et on est parti. Ah là, des bons coups d'Amel sur la séquence. Lévesque qui va le relever. Et là, Lévesque va tomber lui aussi. Et lui-même va la pousser un peu plus loin. Ça va venir sur le bâton de Breton. Attention, deux contre un. Breton, Archambault. Archambault tire. Ah, quel arrêt de Loïc Lacasse. Waouh, quel arrêt important dans ce match-là. Il va laisser la rondelle à Maheu. Alors qu'on va s'installer. Maheu remet à Cloutier. Cloutier à Tifu. Tifu tire. Et le but! Yannick Tifu a pris un bon tir de l'enclave. On l'a laissé complètement seul. Chabot contre Breton. C'est remporté par Chabot. Meilleur avec la rondelle. Meilleur travail. Renvoi en fond de territoire. Et là, Chabot va engager le combat contre Breton. Le Breton qui donne quelques droites. Le Chabot aussi. Bon combat de Chabot. Et là, le coup de poing de Chabot va rentrer. 3, 2, 1. Et c'est là-dessus que prendra fin cette rencontre. Le Cool FM qui remporte pour une première fois cette saison deux matchs d'affilée. Après avoir vaincu les Pétroliers du Nord à Laval samedi par la marque de 4-0. Le Cool FM vient de jouer le tour au 3L en remportant un match à la maison par la marque de 4-1.